Graceless, tarnished. What is thy business with these thrones? Ah, Godrick the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Mais je suis tellement content. Je suis tellement content. Parce que j'ai tellement aimé ce boss. De savoir qu'il en existe une version un peu plus optimisée. Quel plaisir. Ah, qui est de suite en P2 en plus. Ouah, qui va me sécher. Ou alors en le first try. Ou alors il nous first try. Ça va être chaud patate. Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. C'était incroyable et ça l'est toujours, hein. C'est vrai que là, la capitale, je ne m'en remets pas. Meilleure zone du jeu pour moi, vraiment, enfin, de très loin, c'est ce que j'ai préféré du moins. Autant du point de vue du bestiaire, que du point de vue de l'architecture, que du point de vue du level design, que du point de vue de l'esthétique, direction artistique, combat de boss, bref, tout y était et on s'était laissé sur une cinématique absolument dingue, celle d'intro en fait, de ce boss qui, ma foi, eh bien, était plutôt costaud, le retour de Margit d'une certaine façon, bon, on imagine le frère ou quelqu'un du même acabit, bref, un combat que j'ai rêvé, honnêtement, puisque j'avais adoré Margit, mais il était trop simple, et là, on a la version ultra énervée, ce qui me fait très plaisir. Je rappelle vite fait ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents, nous avons eu l'occasion d'explorer de fond en comble, mais pas totalement quand même, toutes les zones disponibles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le plateau d'Altus, Lyurnia, Necrolimbe et Caelid, sauf si il me manque des choses du côté du savoir sur le jeu, et donc peut-être qu'il y a des choses que j'ai manquées, ou des raccourcis encore une fois assez improbables. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous sommes prêts à franchir ce grand instant du jeu, c'est-à-dire le moment où on va passer la porte, peut-être rentrer dans l'arbre-monde, je ne sais pas, et puis une fois le saut tombé, une fois ce boss affronté, on aura l'occasion de passer au travers de cette porte qui était bloquée, rappelez-vous, un mur invisible. Bon, à voir ce que ça donnera dans cet épisode. C'est parti. Est-ce qu'on va se retaper la cinématique de ouf ou pas? Non, quand même pas. C'est dommage. Par contre, là, je vais quand même aller récupérer mes runes puisque j'en ai laissé quelques-unes sur le sol. Et je pense à vous qui avez ces petits holkers quand je les laisse comme ça. On va faire attention. Allez, je récupère ma potion. Et on va découvrir le pattern cette fois-ci pour de vrai. Est-ce que c'est l'équivalent de la canne? Ah,
Ça a pas l'air si différent que ça du pattern de base. En tout cas, c'est comme s'il était déjà en P2, sauf que là, c'est le début. Ah, quoique. Bon, je vais me soigner, je vais essayer d'être... Ah ! La lance, je crois qu'il ne l'avait pas du tout, par contre. Hein. Ça aussi, c'est nouveau. Oh, le spammer ! Putain, le pattern, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Je suis en train de bloquer, là. Attends, qu'est-ce qui se passe, là ? Wow! Ok. Oula. Oh, la mise en scène! Oh, mais tue-moi comme ça, y'a aucun problème. La vache! Alors par contre, je suis désolé, vous allez être déçus, mais là, je veux pas me battre avec cette arme encore une fois, c'est-à-dire que là, elle est bien cette arme, mais c'est un duel, c'est-à-dire que là, c'est le jeu qui te défie, qui te dit, mais montre-moi ce que tu as de meilleur, et je vais t'envoyer la max, et ben on va lui montrer ce qu'on a de meilleur, bon sang de bonsoir. Hop, hop, et c'est parti. Wow, joli. Genre il tourne. Oh magnifique. J'aurais pas cru ça. Je vais me soigner, je sens que je vais le regretter. Ah, j'ai raté l'esquive.
Boum! Allez, il est mort ou pas? Wouah! Ok. Meilleur boss du jeu. Vraiment, pour le moment, c'était genre juste incroyable. Mais vraiment incroyable. Oh là 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 là. Mais quel combat, mais quel combat et quel plaisir à tous les niveaux. Donc on a récupéré le souvenir, on a récupéré également la rune qui va avec. On va pouvoir lire tout ça, mais avant ça... Ah quoi que non, attends, on va le lire tout de suite. Rune majeure du porteur de fragments Morgoth, dénué de toute bénédiction, restituez-lui son pouvoir à la tour divine d'Altus Est, de l'autre côté du grand pont à l'est de Lindel. J'étais pas... Ah c'est ça, c'est qu'il y a deux tours divines, j'ai fait celle de l'ouest et donc là on pourra faire celle de l'est pour restituer cette rune-ci. Bon, on va regarder le souvenir. Souvenir de Morgoth, roi des réprouvés façonné par l'arbre-monde. L'augure des doigts pourra extraire le pouvoir qui y sommeille. Vous pouvez également vous en servir pour obtenir une grande quantité de runes. Bien qu'appartenant de naissance à la caste disgracieuse des réprouvés, Morgoth choisit de devenir le protecteur de l'arbre-monde. Ce n'est pas par réciprocité qu'il donna son amour, car il n'avait jamais été chéri, mais simplement car tel était son désir. C'était tellement bien. C'était tellement bien. C'est pour ça que je joue à ce jeu. Vraiment, c'était tellement bien. J'ai pas les mots. C'est tout ce que j'aime, ce combat. Et je pense que de tous les jeux From Software, ça fait partie de mes combats préférés, vraiment. Avec Frid, par exemple, et puis Lady Maria. Il y avait quelque chose de tellement viscéral dans l'animation, dans le combat, dans le nombre d'attaques. C'est ça, en fait, qui était trop bien. C'est qu'il y a énormément d'attaques qui sont, qui sont organisées et qui sont agencées pour que le boss ait plein de comportements différents et que ce soit à ce point-là un tel esprit de duel, quoi. Non, vraiment, c'est le meilleur combat que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'ai adoré. Par contre, là... Est-ce que c'est ça la suite? Je peux toucher le mur d'épines, ce qui me laisse à penser que je pourrais potentiellement aller sur la fin du jeu. Mais, on va se rappeler de quelque chose quand même. Tout à l'heure, j'ai vu un mur qui était scellé par le pouvoir de Morgoth. Donc ça veut dire que potentiellement, ça vient de me débloquer une nouvelle zone. Mon petit doigt me dit que ça, c'est la fin du jeu, en fait. Donc, on va peut-être pas tout de suite aller dans cette direction. Et peut-être que ce qu'on va faire... Ah, sauf si j'ai pas le choix. Regardez, il n'y a pas le choix. Est-ce que je dois simplement me reposer ici? Ok. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. No? Prevented by the mantle of barks. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Le médaillon de Rold, symbole rouge écrit sur la carte. Est-ce que le jeu est en train de me dire « Attends, tu croyais que t'avais fini ?» Mais tu en es loin, mon coco. Très bien, très bien, très bien. I wish to journey with you once more to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Erd Tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the Rune of Death too? The Rune of Death goes by two names. The other is Destined Death.
The forbidden shadow plucked from the Golden Order upon its creation. Unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on. Finish the job. Take the course you deem most worthy. Trop intéressant. Vraiment trop intéressant. Donc là, je suis revenu au niveau de la table de la grâce pour voir s'il y avait des dialogues, et il y en a effectivement. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between can burn the Erdtree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the Erdtree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame. And can lead you to the rune of death. C'était tellement intéressant de suivre son histoire et de voir que les doigts sont endormis et donc désormais figés. On va peut-être retourner voir le monsieur qui était là-bas aussi et qui nous donnait globalement les informations de l'or. Peut-être qu'il a des choses à nous raconter également. Attention, on va voir ça dans un instant. There are four more demigods yet to be located. Mikala of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune, so here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost right, known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. Qu'on se le dise, j'espère quand même que là, le jeu, il n'est pas en train de nous dire qu'il nous reste 4 zones aussi grandes que celles qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour arriver à choper les 4 runes majeures manquantes, parce que sinon ça n'a juste aucun sens. C'est-à-dire que moi je veux bien que voilà, il y ait des runes majeures, tout ça, avec un boss un peu annexe, un truc un peu pété. Mais là ça commence à faire beaucoup quand même, donc on va voir. Bon, je suis retourné au pied de la capitale pour voir s'il y a éventuellement des choses que j'ai manquées. On va peut-être tenter un peu mieux l'exploration, et cette fois-ci sans pitié, donc avec ces armes que j'aime tant. Ah! Genre en 3 secondes, je suis tombé sur un truc super secret, j'ai l'impression, là. Bon, allez, déjà, on va commencer par le site de grâce, ce sera très bien. Derrière, hop là, on récupère le home de Lionel. Décidément, est-ce qu'on va croiser Sakura dans pas longtemps? Je ne sais pas. On va regarder qui est Lionel, quand même. Armure ronde en fer, pourvue d'une bannière dans le dos, portée par Lionel, cœur de lion. Lorsque cet intrépide et courtois chevalier fit la connaissance de Fia, qui avait été chassé de chez elle, il décida d'endosser le rôle de père. Très bien. Ou alors c'est l'armure de Jospin, je ne sais pas. Bref, allez, on va voir ce qu'il y a ici. Sachant que j'ai utilisé un petit peu de mes runes pour acheter de l'équipement et des objets que j'avais par-ci par-là, mais je suis toujours avec mon sac qui est prêt. Oula. Ah, c'est vrai. N'oublions pas ces ennemis redoutables à chaque fois. Ils font toujours si mal. C'est assez perturbant.
Un pot fissuré, donc là j'ai le choix. Soit je passe par ici et je vois des bâtiments qui apparaissent sous mes yeux, soit je regarde ce qu'il se passe sous mes pieds. On va regarder ce qu'il se passe sous mes pieds. Alors par contre là j'ai de très mauvais relents de Bloodborne. Avec notamment, c'était quoi? C'était pas un énorme rat ou une sorte de cochon ou je sais pas quoi, un truc infâme là qui était là. Ah bah voilà, tiens. Alors par contre ça, c'est pas cool. Un petit objet, on va le choper quand même. Oula! Le retour de la grande main. Attends ça. Non, j'ai rêvé. Bon, heureusement, ce ne sont pas des gros dégâts. Bon. On explore, mais... Pour le moment, je vois pas grand-chose. Ah. Voilà qui est intéressant. Donc là, potentiellement, un retour à faire dans cette direction-là. Je me demande s'il n'y a pas à un moment un mur qui va quand même nous donner l'accès à quelque chose. Genre un mur illusoire ou quoi qui sera quand même peut-être plus dur à trouver. Ah, attends. Tu rigoles. Le puits. Mais non. C'est pas vrai. C'était le puits que j'ai manqué depuis tout à l'heure. Avec ici une porte que je peux pas ouvrir et ici une porte qu'on peut ouvrir. Quand soudain arrive le grand moment de la découverte de quelque chose qui, je l'espère, en vaut la peine. Ça a l'air grand. On va voir ça tout de suite. Attends, déjà là, il n'y a rien. Et ensuite là... Non plus. Je veux absolument le site de grâce par contre, hein, là... Ah non, ah ouais, non, ça va être très chiant ça. Qu'est-ce que je peux faire éventuellement, si je peux pas au moins utiliser un peu les flammes? Ah oui, en plus des rats qui ont une certaine résistance aux dégâts quand même. Ce ne sont pas des petits rats. Ah. Oula. C'est-à-dire la prison souterraine des parias. Oh, le nom, il vend déjà tellement du rêve. Oula. Toi aussi, tu vends du rêve. Par contre... Il est où le checkpoint ? D'accord. Non, attends. Soyons lucides. Si je tombe, je meurs pas, là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est tomber là. Et le checkpoint est là. Pas du tout. Je suis dégoûté. Je le sens pas. Je le sens absolument pas. Je connais pas les patterns. Ils font très mal. Backstab fonctionne. Info primordiale quand même, parce que ça va changer absolument tout ce qui concerne la découverte de ce lieu. Par contre là, oh là 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 là. Oh. Ah ouais, ça va être chaud là. Pas sûr en fait. Je vais me soigner par précaution. Ah, le petit temps de latence. Ça y est, les ennemis commencent à avoir des temps de latence dans les attaques. Je reconnais. C'est les moments difficiles de Elden Ring.
Bien. Le site de grâce. Yes. Je pense qu'on est parti pour une session endiablée dans laquelle il va falloir être très vigilant. Et bah je vais faire de mon mieux. Très bien, donc on aura un raccourci par ici. On s'en rappellera. Attends. Oulala. Ça j'aime pas du tout l'idée. Hein. Ça sent la zone poison. Oulala. Oulalalala. Non! Allez, le but c'est vite et bien. Parfait. Je vais peut-être éviter les grands sauts inutiles et on va se concentrer sur les choses accessibles et faciles. Par exemple... Voilà. Lui, il était posé, il était gratuit. J'en remets presque en question mon envie d'explorer, quoi. Oh putain. Attends. Je vais te calmer tout de suite. Il est grand. Je rappelle que les cornes, c'est la marque de la mort qui fait ça, il me semble. Du moins, il y en a une qu'on a récupérée qui avait cet effet. Bon, il avait un caractère un petit peu spécial, j'espère qu'il ne reviendra pas une fois qu'on l'a battu, parce que sinon là ça amène quand même des choses assez complexes. Bon, c'est déjà ça de fait. Reste à savoir pourquoi est-ce que je suis venu ici et ce que ça va m'apporter. Oh punaise. Je l'ai vu, vous l'avez vu, ils l'ont vu. C'est là. Et alors maintenant que j'ai fait ça, on va vers quoi ? C'est un rebord ou une texture, ça change tout dans un cas ou dans l'autre. Bon, il faut savoir de toute façon, donc... Bien, je ne suis pas mort. Ah, et j'ai oublié de recharger mes potions, donc là je repars avec pas forcément assez de soins en poche. On voit quelque chose qui dort, ce qui n'est jamais bon signe dans Elden Ring, et là j'ai cette espèce d'énorme horreur là qui me regarde. Et qui veut tenter le duel. Mais j'ai jamais eu l'occasion de les combattre, donc je ne connais pas le pattern. Ah ouais, c'est costaud. On va faire quelque chose que je fais peu, mais que je vais être obligé de faire là. Je vais fuir. Je vais fuir et je vais pleurer dans mon coin. Ou alors, au travers de cette porte. Yes! Ce qui m'amène à quoi? Ah, je remonte, tiens. Ah. Ceci n'est pas bon signe. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire un donjon à l'envers, là? Je suis pas du tout sûr de comprendre ce qui est en train de se passer. Attends. Ouais, je m'attendais vraiment à me faire contourner par des ennemis. Je comprends pas ce que je suis en train de vivre. C'est très 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 bizarre.
Mais non. Trop drôle. C'est un raccourci encore une fois. Alors, on va pas se faire prier, je vais quand même aller recharger mes potions. Bon, je reviens dans les profondeurs, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors que je viens de faire tout ça? Le chemin me semble tellement long que j'ose espérer quand même à un moment rencontrer soit un raccourci, soit avant le boss une effigie de Marika ou un truc comme ça, parce que quand même là c'est costaud. Alors... Waouh, j'aime pas du tout l'idée des homards et je sens que les battre ne les fait pas disparaître, je sais pas pourquoi. Waouh, je découvre le pattern, hein, je précise, j'ai jamais affronté ces conneries. Est-ce que ça se voit? Heureusement, il y a des rythmes qu'on reconnaît de l'arbre sentinelle, sinon je pense que je m'en serais pas sorti. Ah, oh. Jeu de merde. Le jeu des enfers, mais jusqu'au bout quoi. Vraiment, il a pas de pitié. Il te cache tout dans les moindres recoins et tu n'as pas le choix. C'est comme ça que ça se passe et c'est tout. Ah, par contre là. Mais non, genre il nous fait un vieux donjon nul là. Alors soit je suis dans un endroit dans lequel il y a potentiellement un donjon nul, ce que je suis en train de faire, soit la suite c'est vraiment ça, mais auquel cas ça serait très décevant finalement. Bon, je vais rusher parce que j'aime plus trop ce genre de catacombes, je pense que je les ai absolument trop vus. Allez, on connaît ces patterns absolument par cœur. Esquiver le feu, venir vers la statue, mettre le petit coup d'épée qui fait descendre. On fait le tour s'il y a un objet, il n'y a pas d'objet. Waouh, oh, j'ai pris tellement cher en poison, mais c'est passé quoi? Trop bizarre. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se rallume? Ah, j'ai tapé deux fois et à tous les coups ça a lancé la baisse et la remontée. Je me suis bien fait avoir quoi. Bon, quand soudain... Ah non, mais ça par contre c'est pas possible. Il y a un moment, il faut vraiment que ça s'arrête. Ah, faut que je le tue. Faut que je le tue pour ouvrir la zone à tous les coups. Attendez, je vérifie quand même des choses, on sait jamais. Attends, quoi? Pourquoi il y a un double à côté de lui? C'était bon. Et merde. Attends, quoi? Pourquoi il n'y a plus mes runes? Oula. Oula. Il n'y a pas les cadavres, c'est pas le même endroit. Ah, ils ont fait un... Ah non... Ils ont fait un donjon avec des sortes de changements de salle, de je ne sais quoi. Putain, à tous les coups, le levier, il est juste à côté de là où j'étais. Regardez, il attaque même pas et tout, il y a rien là. Faut lui parler ou pas? Non. Oula. C'est si loin? Une répétition un peu bizarre de... Des salles. Il y a un truc, soit je suis désorienté, soit il y a un truc que j'ai vraiment pas compris. Bande de saloupiaux, mais bande de saloupiaux, ils sont terribles. Ah! L'autre chose. Non! C'est pas un vrai donjon. Tellement malin. Mais tellement malin. Ouh,
Bon, j'ai un petit peu triché, mais c'est que là, trop de tension et trop de difficultés dans ce donjon pour que je fasse tout d'une traite. On était censé venir chercher, dans les plus grandes profondeurs, un objet, dans la prison qui l'abritait. Et pourtant, il n'y a rien. Pas d'objet, que dalle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Bon, lui qui est baissé, on a quand même envie de savoir ce qu'il se passe si on le lève. Vraisemblablement pas grand chose. Ah ! Sauf si... Mais non ! Mais non ! Mais ça, c'est possible dans le jeu ? Mais non ! Mais je savais même pas qu'on pouvait faire un truc pareil ! What ? D'accord ! Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait ce genre de truc, potentiellement, il y avait un secret, quoi. Wow ! Ok. Ah oui, là, c'est effectivement bien différent d'un coup. Waouh. Très bien, bah écoutez, on va continuer. Quand soudain, l'échelle vers les enfers, au plus profond possible de cette prison qui décidément a vraiment elle a intérêt à lâcher un super secret quand même, parce que là, je refais pas tout ça pour le fun. Hein. C'est vraiment tellement long. Pouah. Ah, plusieurs choses sont détectées. Déjà, premier élément. Ah, je viens de comprendre un truc. Ce sont deux donjons miroirs qui se regardent l'un l'autre, peut-être, ou superposés d'une manière bizarre, je sais pas comment ça fonctionne. Mais par contre, le levier, c'est bel et bien la porte qui était fermée au début. J'avais quand même ce secret à faire, sauf qu'on m'a donné l'impression que j'avais ouvert, mais j'avais pas ouvert du tout. C'était juste que c'était ça faisait semblant d'être ouvert, pour m'induire en erreur, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, c'est du génie. Trop intelligent de réussir à surprendre alors qu'on a l'impression de connaître ces trucs-là par cœur. Donc, bah, trop bien pensé, quoi. Vraiment, vraiment trop bien pensé. Oh, punaise. Pas de pitié. Ah, quoi que les chiens, tu es vite, finalement. Ah ouais, ils n'ont pas pitié du tout, non. Attends, je vais être très rapide. On va faire ça. Je vais vite me soigner. Allez, prends bien l'aggro surtout. Hein. Allez, vas-y Bobby. Bobby, c'est ton rôle principal là. Tu vas faire le boss pour moi, ça va être génial. Waouh, il se passe quoi là? Attends, mais Bobby se fait démonter là. Mais non! Bobby, tue-le! Waouh! Bobby, mais quel génie! Mais quel génie! Un ange est descendu sur Terre! Incroyable! Ce génie du... Mais non, mais je n'en reviens pas! Attends, genre vraiment là? C'était vraiment son rôle principal! Il a solo le boss, c'est tout! Il a solo le boss! Alors par contre, j'ai perdu les runes que le boss donnait très certainement, mais c'est pas grave, Bobby, franchement... Tu les as mérités. Maintenant, je veux savoir ce que ce boss m'a donné. Tout ça, pour avoir simplement ce talisman qui représente l'exultation du Seigneur du Sang, augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité, déjà l'enfer. Présentez vos offrandes de sang à votre Seigneur, inondez-en la chambre de mon consort, abreuvez-en son cocon, son éveil sonnera l'avènement de notre dynastie. Alors, ce qui peut être par contre très intéressant, ce serait de voir s'il n'y a pas des choses qui me donnent du saignement, mais en toute petite quantité, pour après derrière pouvoir faire une énorme attaque, tout simplement. Donc, on a vu ce qu'il y avait sur la droite, avec le mini donjon. Maintenant, on va explorer ce qu'il y a sur la gauche. Ce qui me fait par contre très peur, c'est le chemin qu'on va emprunter, parce que je sens arriver la cascade des embrouilles. D'ailleurs, question numéro 1. D'accord, on peut passer par ici. Quand soudain... Le drame arrive. Ouais, j'ai senti arriver les embrouilles. J'avais raison. Allez. Déjà une potion en moins. Que dis-je ? Deux potions en moins.
Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même m'éclairer parce que là, ça va pouvoir être difficile. Et je vais peut-être même enchanter mes armes pour avoir plus de lumière et pour faire plus de dégâts. Quelle embrouille quand même cet endroit. Wouah, c'est pas ça. Je vais commencer par là, on va voir petit à petit vers quoi ça me mène. Une grosse limace. Attends, une grosse limace avec un truc derrière ou pas? Oula, ça a l'air compliqué cet endroit. Est-ce que je vais au bon endroit ou est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Je pense que je suis en train de faire n'importe quoi. Déjà ici on a une porte que je ne peux pas ouvrir, que je n'ai pas ouvert. Attends, là c'est quoi ça? D'accord. Ensuite là ce sont les magiciens campés au sol. Ils font beaucoup de dégâts si on se fait choper. Désolé, je suis dans un état de concentration tel. C'est pas le top de l'animation des sessions Elden Ring. Hein. Mais je m'amuse hein, mais... mais c'est chaud de ouf quoi. Ah, y a rien qui va. Est-ce que c'est la suite ou est-ce que je viens de là? Je sais même plus où je suis. Je vois un objet, on va le récupérer. Comme ça, je pourrais me dire à chaque fois que je vois un objet, c'est que globalement, je suis pas allé à l'endroit. Ah! Quelque chose de nouveau, tiens. Oula. Il peut me suivre ou pas? Oui. Clairement. C'est quoi? Oh non! Comment faire? Allez, parfait. Bon, c'était un peu chaud. Mais avec les bonnes arnaques, on peut faire de belles choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les fameuses ravioles de viande crue, mais je vais aussi me soigner du poison dans la foulée. Oh, j'ai pas de quoi le faire. Oh, terrible. Bon, faut que je regarde ma vie très régulièrement, sinon je vais être assez embêté rapidement. Allez, je n'ai plus que ça pour me soigner. On va imaginer qu'après ce défi assez costaud, il y a un raccourci ou un site de grâce. Et donc la réponse, c'est qu'il y a bien évidemment un raccourci. Ou pas? Attends. C'est pas la porte de tout à l'heure? Mais non! C'est pas la porte de tout à l'heure! Attends, il y a un raccourci, c'est sûr et certain, ils ont pas fait un truc pareil. Alors, ça a l'air immense. Est-ce que je peux aller là? Oui. Et là? Oui. Est-ce qu'il me suit? Non. D'accord, le raccourci en question, c'était lui. Alors maintenant, reste à trouver comment esquiver l'ennemi qui me regarde droit dans les yeux pour me buter. Ça a l'air pas trop mal. Mais non, mais t'es sérieux. Quoi? Mais il est monté comment? J'en reviens pas. On me redonne des potions, c'est jamais bon signe. C'est vraiment jamais, jamais, jamais bon signe. En plus, là, je suis en train d'aller très profond. Et plus on avance, plus tout est rouillé et un peu inquiétant. Et un truc qui est génial, c'est que dans chaque Souls, il y a toujours un moment où on dit « Ah, là, c'est la pire zone ». Je pense qu'on peut le dire, là, c'est la pire zone. C'est vraiment la pire zone, et de loin. Tout ça pour choper quoi? Ça. T'es sérieux? D'accord. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, je récupère énormément de potions et d'ennemis de ce style-là. C'est comme si on allait avoir celui qui les pond dans quelques instants, quoi.
Il y a un truc assez rigolo qui est en train de se produire, en termes de ressenti en tout cas. Je peux descendre sur ce tuyau, mais je pense vraiment que ce n'est pas le bon chemin. Parce que ça me ressemble vraiment très fort à quelque chose que j'ai déjà fait. Alors attendez, je vais regarder si c'est pas plutôt là-bas. Alors, si vous vous demandez depuis combien de temps est-ce qu'on est dans ces trucs-là, ça doit faire au moins 10 minutes, non? J'aime bien parce que là, le jeu te fait croire que t'es un raccourci, mais en fait, je sais pas d'où je viens. Incapable de me repérer et de dire si j'ai déjà vu ça ou pas. Bon, dans le doute, on va continuer à descendre. Oh putain. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Je vous le dis, ça sent le boss. Le raccourci, l'échelle, la descente aux enfers, le pot géant. Il manque plus qu'une porte jaune et c'est bon. Attends. Comment ça? Alors déjà toi, tu vas laisser ça là où tu es. Oulala. Oulala. Oulalalalalalalala. Ça y est. 3 heures de recherche pour ça. On a tout fait pour ce moment. Ok. Quoi? Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était encore un donjon où je devais me taper le truc pendant l'infinité. Une porte ouverte directement. Est-ce que ça sent la cinématique? Ouh, ça a l'air joli. Ouh, ça a l'air très joli par ici. Bonjour, qui êtes-vous? J'ai 500 000 âmes. Mog le réprouvé. Ah! Pour moi, les Mog, c'est un petit chat. Je m'attendais pas à ça. Eh bien, écoute, Mog. Ah! Tu envoies des choses intéressantes, Mog. On va se soigner quand même, hein. Très jolie musique. Très jolie flamme aussi. Aïe. Bon Mog, c'est bon, je suis dans ton esprit. Tu es téléchargé maintenant. À moins d'une P2, ça se termine en un try ça. Plus de mana, plus de chocolat.
Allez, salut. Bon. Je pense que c'est un combat qui aurait pu éventuellement être fait en mode tryhard infini, tout ça. Mais je vais être honnête. J'en ai eu plein le cul. Je voulais juste passer à autre chose. Parce que là, cette zone, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais il était pas très dur le combat, honnêtement. Rien de très méchant. Il suffisait de rester collé à lui. De faire des esquives qui vont bien. Et voilà, tout ça suffisait largement. Maintenant, on n'a plus qu'à fouiller le coffre. Et donc, la faveur de l'arbre-monde plus 1 est obtenue. Également, j'ai pu avoir le site de grâce et on va quand même se reposer très rapidement, peut-être quand même. Tout ça pour un talisman seulement ? Attends, quoi ? D'accord. Je vais crever, c'est ça ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire. Non, parce que là, il y a un moment, faut que ça s'arrête vraiment, quoi. C'est-à-dire que moi, je veux bien les secrets, tout ça, c'est toujours très amusant. Mais je veux sortir, en fait. Je veux juste sortir. Laissez-moi sortir d'ici, je vous en supplie, je n'en peux plus. Oh, les cadavres. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vers quoi est-ce que je suis en train d'aller? Quelle est cette zone qui a l'air absolument déraisonnable? D'ailleurs, on pourrait faire comme ça, hein. C'est vrai que les vrais n'ont pas besoin. Ah bah d'ailleurs, j'ai bien fait. N'ont pas besoin de suivre le chemin. Puisqu'il y a toujours un chemin. Attends, obtenir des matériaux. J'attends le moment où il y a le cercueil qui va m'amener à quelque chose de nouveau. Attends, quoi? Oula. Oulala. 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 J'aime bien parce qu'il y a un petit morceau de violoncelle qu'on entend là. Qui est là un peu pour signifier notre mort finalement. Pour dire bon bah là. Ouais, tu vas crever. Yes, par contre, je vais où? C'est vraiment ça la descente? Ça me semble bizarre. Il y a vraiment une descente là ou c'est juste pour faire joli parce que c'est quand même... Oh punaise. Ce saut digne des speedruns de Sekiro avec des doubles sauts qui sont à des endroits où tu ne peux pas les faire normalement mais parce que le jeu te le demande, tu peux quand même t'arranger un peu. D'accord. Quand soudain, le mauvais choix. Fallait faire le tour de l'autre côté. D'accord. Alors, vous savez qu'il est possible que là, avec le saut, mes runes restent ici. Qui n'est pas le bon endroit, donc... Par précaution quand même... Voilà. Une petite branche sacrificielle, on ne sait jamais. Oh, le génie. Alors là... par contre, c'est quoi ce saut de l'enfer, encore une fois? Wouah, mais il y a un moment, faut que ça s'arrête par contre. C'est-à-dire que là. Wouah. Mais j'ai fait tellement ça toute ma vie. Pouah. Très bien, c'était le moment le plus dur du jeu. Et désormais, qu'est-ce qu'on va retrouver par contre? Parce que là, faire tout ça pour du beurre, je n'y crois pas. Oula! Ouf, un site de grâce. Ouah! Attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Attends, je vais évidemment... Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oula. Je me déplace, j'essaie de comprendre ce qu'il y a, mais... Pour être tout à fait honnête, c'est pas très clair. Je ne peux pas taper.
tu peux miser le tout pour le tout, mais on se rappelle d'une statue qui nous disait que la renonciation totale, c'était finalement une manière d'accéder au pouvoir. Et c'était vrai.